Le chocolat est composé de différents arômes. Il y a tout d'abord ceux contenus dans la fève de cacao, qui dépendent de l'origine et de la qualité des fèves sélectionnées. Puis, les arômes issus de la fermentation des fèves. Et là, c'est le savoir-faire du planteur qui entre en jeu. Enfin, les arômes qui se créent durant l'étape de torréfaction des fèves. Pour des questions de productivité, la quasi-totalité des fabricants réalisent des torréfactions uniformes, puissantes et rapides. En faisant cela, ils favorisent les arômes de torréfaction au détriment des arômes du chocolat, de cacao et de sa fermentation. On obtient alors des chocolats au goût standardisé avec peu de caractère aromatique. Jusqu'à aujourd'hui, aucun procédé ne permettait d'obtenir l'équilibre entre les trois arômes qui composent le chocolat. Olivier et Nicolas Deloisy se sont donc penchés sur cette question et ont mis au point le procédé Sequentia qui révolutionne la torréfaction. Les fèves de cacao que la chocolaterie de l'Opéra a sélectionnées sont des fèves de très grande qualité. Elles ont des arômes insoupçonnés qui doivent être révélés par une torréfaction révolutionnaire. Au cours de la torréfaction des fèves de cacao se déroule la réaction de Maillard que nous avons étudiée pendant plus de 5 ans. Ces recherches nous ont permis de découvrir que la modulation de la torréfaction en termes de temps et en termes de température permettait de préserver la totalité des arômes des fèves de cacao. Cette torréfaction séquentielle porte le nom de Sequentia Technologies. À partir des fèves que nous avons sélectionnées, parmi les terroirs les plus rares, nous avons donné naissance à une gamme de chocolats dont les arômes se distinguent des standards d'aujourd'hui. Grâce à la technologie Sequentia, nous vous proposons trois chocolats noirs au vrai goût de fruits. Et quand je parle de fruits, il s'agit bien de la fève de cacao. Mais chacun d'entre eux possède sa propre personnalité aromatique. Altapa, 73%, d'origine Guatemala, un chocolat puissant avec des notes de fruits rouges. Jamaya, 73%, réalisé avec des fèves de cacao de Jamaïque, propose plus des notes de noix de pécan et de miel et beaucoup de longueur en bouche. Enfin, le troisième, Vibrato, un 70%, est un assemblage très équilibré de fèves du Guatemala et de Madagascar. Ces chocolats ont été imaginés grâce au concours de trois parrains, meilleurs ouvriers de France, qui les ont par la suite intégrés à leur gamme. Avec Sequentia Technologies, nous vous proposons une expérience gustative révolutionnaire qui va surprendre mais aussi séduire les plus grands amateurs de chocolat.